chez les poids moyens, une co-présentation de mise au jeu et de Vidéotron. Ladies and gentlemen, here now is 10 rounds of action in the middleweight division, a co-presentation of Mise au jeu and Vidéotron. Les juges pour ce combat, the three judges appointed at ringside to score this bout, Nicolas Esnault, Marie-Josée Guérin et Sylvain Leblanc. L'arbitre du combat, your referee in charge, Steve Saint-Germain. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte blanche et pesant 161,2 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wears white trunks. He tipped the scale at 161.2 pounds. Il a 27 victoires, 24 par KO en 32 combats. This man holds a record of 27 victories, 24 coming by way of knockout in 32 professional bouts. Champion NABF, NABO 2011 des poids moyens. Former NABF and NABO middleweight champion de Mangangay, Colombia, Jose Miguel Mutualito. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte noire et pèse 161,4 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears black trunks. His official weight, 161.4 pounds. En 32 combats, il a 30 victoires, 28 par KO, with a professional record consisting of 30 victories, 28 coming by way of knockout in 32 bouts. L'aspirant numéro 15, WBC et IBF, numéro 11, WBO, l'actuel, le champion WBC international 2010-2011. Ladies and gentlemen, please welcome former WBC international middleweight champion de Laval, David Sorry, you both received my instruction in the locker room. I want a good, clean fight, protect yourself at all time. Listen to my command at all time. Touch gloves, but good luck both of you. Steve Saint-Germain, qui est l'arbitre pour ce combat. On est chez les poids moyens. Un 10 rounds prévu pour ce combat, Mike. Oui, le mieux, 24 ans, 34 pour Thorez. Bon. À peu près le même poids, 161,2, 161,4 pour le mieux. 5 et 10, 5 et 8 pour Thorez, qui est pro depuis 2003. Du côté de le mieux, lui, il est pro depuis l'année 2007. C'est parti pour 10. Est-ce qu'on va se rendre là, ta prédiction, Mike? Écoute, on regarde un petit peu Thorez. Ses victoires, c'est pas contre de grands boxeurs, sauf que dans ses défaites, il n'a jamais été passé KO. Mais je vais quand même te dire le mieux par KO dans la première moitié de combat. Puis ça pourrait se passer encore plus tôt. Bon, ben, on va voir ce qui va se passer. Lors du dernier combat de David Lemieux, l'adversaire qu'il avait devant lui avait une protection assez étanche, merci. Alors, de voir ce que Thorez a à proposer. Oui, mais Thorez, c'est pas le même genre de boxeur du tout. Puis comme je te dis, pourquoi je te dis que même s'il n'a jamais été passé KO, je vais te dire le mieux par KO quand même, parce que Thorez, c'est le genre de gars que lui, il sait qu'il a une bonne phase de frappe, donc il n'hésitera pas à vouloir peut-être échanger coup pour coup avec le mieux. Donc, les deux se doivent quand même d'être vigilants, mais j'ai comme l'impression que le mieux est un plus gros cogneur que Thorez. Pour l'instant, c'est le mieux qui met de la pression. Oh, la gauche de Thorez qui touche le mieux. Dans le coin de le mieux, on lui dit, vas-y, jab en bas, il y a de l'ouverture. Ce qui va être intéressant de voir dans ce combat-là, c'est comment David va gérer ses énergies. Est-ce que va attendre ses... Oh! Mal, là. Grosse main droite. On va voir comment il va gérer son combat si Thorez ne se fait pas passer KO. Donc, comment il va réagir? Ben, tu lèves un point intéressant. Tu fais référence, bien sûr, à son combat contre Rubio. Bon, mais je pense pas que Thorez est du calibre. Non, évidemment pas, mais la façon d'aborder le combat. Exactement. C'est que, je me dis, bon, exemple, ici, il frappe vraiment avec ses meilleurs coups de poing et Thorez tombe pas, est-ce qu'il va continuer à s'acharner ou encore va prendre un peu de recul, garder son énergie puis essayer de, dans le fond, de boxer Thorez. Oh!
Un uppercut. Torres qui touche. Lemieux dispute ce soir un troisième combat en 2013. Tente de placer une attaque, ça rate. Oh, c'est un peu bas. Grosse main droite de David. Tour de Torres de tenter une attaque. 15 secondes à faire à ce premier round. Alors voilà, c'est la fin de ce premier engagement. Intéressant comme premier round. Très intéressant comme premier round. David qui a touché à quelques reprises au départ, mais Torres a quand même bien répliqué. Je pense que c'est un round qui va bien sûr à l'avantage de David Lemieux, mais intéressant. Torres qui a absorbé les coups de poing, même si ça fait quelques grimaces. Parfait. Si tu le notes comme il faut, il est vraiment ouvert en bas ici. Tu as un petit peu plus de misère à t'approcher de la jab à la tête. Pas en bas, place le jab en bas, la main droite en haut, ou place, jab en haut, même si tu touches pas, plante la droite, monte la droite sur le gauche, OK? Il est vraiment ouvert ici. Bien. Comme tu as remarqué, à chaque fois que tu prends ton jab, tu penches la tête. Tu vas le chercher. Va le chercher aussi avec ton top, la main avant. Okay. Big defense. Utilise le plexus. Tu peux utiliser le plexus. Plante la droite là, OK? Parti pour le deuxième. Avantage Lemieux selon Gabby Mancini. Mike, t'es d'accord? Oui, absolument. Premier round qui va Lemieux et pas de doute. Et Marc Ramsey le répète, hein? On l'entend, vous l'entendez peut-être à la maison. Il lui a dit à David Lemieux dans le coin durant les deux rounds. Vas-y en bas, il y a de l'ouverture. Oh, la gauche! Wow! Quelle gauche terrifiante! Oh, les genoux ont flanché! Un crochet directement sur le menton, les Torres deux jambes ont tombé. Hey, Mike, Torres dit non, non, non à l'officiel Saint-Germain, là, mais oubliez ça. Là. Moi, je te dis oui, oui, oui. Attention, la gauche de Lemieux. Oh, oh, Torres est ébranlé. Regardez les KO par angle. Ouais, 11 pour Lemieux au premier round, mais 17 entre le 2 et le 5e. Oh! 14 pour Torres. Donc, c'est des gars qui travaillent pas vraiment tard normalement. En tout cas, Lemieux n'a pas l'air enclin à vouloir veiller très tard. En tout cas, je connais pas la suite de sa soirée, mais dans le ring, du moins, là. Mais c'était tout un crochet, puis Torres est tombé. Ses deux genoux ont plié complètement, mais semble quand même être revenu. Oh, uppercut! Ça, là, le mieux dans une forme de distance, là. L'avantage part à la gauche. La gauche au corps à nouveau. Ouais. Là, une belle multiplication de coups de la part de Lemieux. Là. Belle variété. Torres, ouais. Torres fait bien accrocher parce que... Il reste encore une minute à faire à ce deuxième round. Et dans le coin de Lemieux, on lui dit, prends ton temps. Prends ton temps, il veut finir ça au plus sacré. Aïe, aïe, aïe. Encaissé comme ça, là, Torres pourrait l'amener loin le mieux dans ce combat-là. Ah, j'ai comme l'impression, la prochaine fois qu'il va le faire. Et voilà! Et c'est bon! Et c'est terminé, je pense. J'ai hâte de voir là, l'arbitre qui va regarder ça, mais il semble souffrir énormément. T'as-tu vu son visage là, en face de nous? Je crois que c'est terminé. Il devrait arrêter ça parce que regarde, regarde. Oh, il est courageux, Torres. Le mieux organisé dans son corps, Vladimir. Pourquoi tu me demandes d'être patient? Il va tomber comme une poche. Oh, bien, il a besoin de se tenir, là. Attention, le mieux. Reste 13 secondes à faire à ce deuxième round. Est-ce qu'on va se rendre au troisième? Le mieux devrait prendre son temps, là. Il est encore ébranlé, solide. Oh! Bien, Torres aura le temps d'aller reprendre ses esprits. Wow!
officiel qui a décidé de laisser Torres continuer, mais... Ouais. On va essayer sur sa décision, mais moi, personnellement, on le voyait vraiment en face de nous, donc... Disons qu'il a tiré son compte entre 7 et 8. Il y a eu 7, 7 et quart, 7 et demi, 7, 3 quarts et 8. Le coup de circuit, c'est un petit crochet de gauche très court. Tu développes beaucoup de puissance, t'as pas besoin de swinguer. En ce moment, ce qui arrive, c'est qu'on lui fait mal, puis après... Oh, l'uppercut! Il a pas aimé ça. Et en plus, dans son coin, on lui mentionnait d'utiliser l'uppercut, c'est ce qu'il a fait. Et tu vois, le crochet au corps et l'uppercut, tout ça avec la main gauche. Et regarde le visage de Torres. Il énormément. Very good job, Chen. Également de la défensive. Alors, Marc aime ce que David Lemieux fait. Et un compte de 17, là. Net avantage, David Lemieux. C'est reparti. Oh! Petite gauche appliquée par Torres. Allez, les quelques coups que Torres a pu porter à Lemieux, ça vient de la gauche. Ouais, et là, Torres qui a réussi à placer un crochet finalement. Encore! Oh! Intéressant! Là, ça rentre la droite à côté de Lemieux. Lemieux s'est fait cogner, Mike, là-dessus, là. Et tu vois, Torres, quand même, était pratiquement hors de combat. L'officiel a décidé de le garder là. Réussit à survivre les dernières secondes. Revient dans ce troisième round. Et lui, on le sait, il gagne avec son coup de poing. Donc, lui, il croit en sa force de frappe. Ouais. Donc, il est toujours dans le combat. Et mais je crois que s'il retourne au plancher, par exemple, il va y rester. Mais il est toujours dangereux parce que t'es un boxeur qui frappe. Donc, David, tu dois quand même d'être vigilant et pas... trop confiant et s'ouvrir trop facilement. Et encore une fois, la gauche qui touche pour Torres. Et la moitié droite du visage de Lemieux commence à rougir. Je veux dire, Daniel, tu regardes le nombre de victoires par KO, c'est clair qu'on disait que c'est deux gros cognards, mais Lemieux frappe beaucoup plus fort que Torres. Ah, il n'y a pas de doute. Les coups viennent très pesants, mais les quelques coups que Torres place touchent la cible. Dans ce troisième round-là, Torres semble avoir retrouvé plus que ses esprits, Mike. Torres là, aurait peut-être dû aller au corps de Lemieux. Par contre, il a réussi à placer un bel uppercut. Est-ce que ce serait une forme de round de récupération pour Lemieux? Parce que dans ce round-là, c'est Torres qui marque les meilleurs points, là. Au corps, oh, ça n'a pas fait du bien, ça. Une gauche précise au corps de la part de Lemieux. Oh. Et Lemieux, là, il va pas à moitié quand il lance ses coups. Oh, au corps à la tête. Et Torres qui reste debout. Proche de la fin du troisième. Torres qui vise pratiquement pas le corps de David Lemieux. C'est vrai. Fin du troisième. Intéressant ce round-là. Sans l'ombre d'un doute. De mon point de vue, le round le plus serré depuis le début du combat. Je pense que ça va quand même du côté de David. On va écouter dans le coin. On s'approche, OK? Allez, la escupidera. Nueva Salina, Juan. Là, ça passe sur la case vers l'avant. Là, c'est le temps de monter à la tête. Je veux que tu t'approches. Je veux pas que tu arrives des wild shots avec qu'il manque un pouce, OK? Au bout. On s'approche. Je veux que tu sois... Ah, le coup, encore le fameux crochet qui a marqué un peu plus tôt dans le combat qui fonctionne encore dans le dernier round. Ben, c'est la même chose, le crochet uppercut. Ça, c'était vraiment beau. Crochet, uppercut et crochet par la suite. Il a touché à chaque fois, donc
attendait un combat explosif, eh bien, je pense que le mieux ne déçoit pas ses partisans. Absolument. On est prêt pour le quatrième. Durement, là. Et jusqu'à présent, Torres, vraiment, les coups qui ont... les seuls coups qui ont touché, ça a été son crochet de la main avant. Absolument. Alors, on voit le pourcentage de KO énorme. 88 % pour le mieux et 75 % pour Torres. Donc, c'est énorme comme pourcentage de KO. Absolument. Mais si, on vous le rappelle, en fait, peut-être pour certains d'entre vous... Les deux boxeurs totalisent 52 KO. Les amateurs scandent le prénom de Lemieux. C'est drôle, Mike, hein, au deuxième. Lemieux était certain d'en avoir terminé. Et voyez-vous, on est au quatrième round et c'est la moyenne de Torres approximativement, le nombre de rounds en moyenne par Torres, 4,3. Et imaginez du côté de Lemieux, 2,8. Donc lui, il vient de dépasser sa moyenne en atteignant le quatrième. Bonne droite. Mais Lemieux précédemment s'était fait cogner. Moins d'une minute à faire au quatrième. On a une guerre, là, Mike. Et tu sais, tu me disais tantôt, le combat aurait failli être arrêté et tout ça, puis peut-être qu'il aurait dû être arrêté, peut-être que pas. Mais une chose est sûre, c'est la raison pourquoi ce gars-là s'est jamais fait passer le KO. Tu comprends pourquoi? Il même s'est allé au plancher, il s'est relevé, et là, il est debout, il attaque le mieux, donc... T'es en train de livrer une bataille, là. Je te dis, il y a une guerre qui est en train de s'installer. Moins de 30 secondes à ce quatrième round. Oh! Oh, bas droite! Et Torres qui ne bouge pas. Regardez Marc Ramsey dans le coin. Oh, la gauche! Wow. Oh, oh, oh. Et Torres va-t-il se relever? Oui! Il semble moins branlé que tout à l'heure, mais... Wow! Oh, Dave, c'est fini! Fin du quatrième, et Torres va pouvoir aller récupérer tout ça. Wow! J'ai hâte de revoir ce claque-là, mec. Bon coup technique, et ils ont un fucking ass. La seule chose que j'aime pas pour le moment, là, c'est quand tu essaies la grande droite de trop loin. Tu manques un pouce, Dave. Approche-toi. C'est pour ça que je te demande de commencer au corps. C'est que quand tu lances au corps... Regardez le premier coup. Ça, c'est deux bandes gauches qui ont touché pour Torres. Ouais, ça, c'est en début de round. Long crochet. Un uppercut qui a touché avec un autre gauche. Crochet. Wow! Crochet de gauche, court, précis. Écoute, Mike, si c'est pas de Torres, là, je pense que... On est déjà en attente de Bizier. C'est clair. Donc, un autre round, bien sûr, à l'avantage de Lemieux. 18, selon la carte de M. Mancini, donc Lemieux fortement d'avance. Qu'est-ce que tu penses des commentaires de Marc Ramsey à propos de la droite de Lemieux, sa grande droite? C'est sûr que dans le fond, si tu remarques les coups qui ont vraiment fait mal à Torres, c'était des coups qui étaient à courte distance. Donc, ce qu'il veut simplement pas, c'est que s'il lance trop loin, sa main droite devient vulnérable à contre-attaque parce que son crochet de Torres, c'est ce qui était dans le fond le plus efficace jusqu'à présent. Donc, c'est ce qu'on veut éviter, selon moi, là, du côté du coin de Lemieux. Break!
Steve Saint-Germain doit s'interposer pour une rare fois. Bon uppercut de Torres. Attendez dans le coin, hein, on dit à Lemieux. Va exploiter le bas du corps de ton rival. Oui, parce qu'on veut faire baisser la garde de Torres. Oh, bon jab. Parlait de grande droite prévisible, là, celle-là est partie de pas mal du champ droit. On a demandé aussi à Lemieux de venir plus proche, hein? Comme ça. Et quand même, là, tu regardes ça, c'est quand même un boxeur qui encaisse. Ah, vraiment? T'sais, je veux dire, il est allé au plancher, quoi, trois fois. Mais. C'était pas avec des caresses, là. Non. Oh oui! Belle feinte de Torres là-dessus, là. Ouais, il a lancé le jab main droite, mais il s'est fait accueillir. Oh, l'uppercut. Il est sur le bout du nez. Break! Break it! Break! No punches! No punches! Break! Steve Saint-Germain s'impose à nouveau. On reprend avec moins de 30 secondes à faire à ce cinquième engagement. On répète, Daniel, d'y aller au corps et David qui toujours travaille la tête de Torres. Fin du cinquième. C'est maintenant. Bon, ben moi, je croyais que ça allait se terminer au cinquième. Eh bien, non. Ça veut dire que le combat va... Franchir la moitié. Franchir la moitié, donc Torres quand même... On peut dire très courageux et croit encore, lui, qu'il peut battre le mieux parce qu'il continue à lancer des coups de poing. Ça a été crochet et main droite, mais réplique immédiate de le mieux simultanément avec son crochet de la main avant. C'est seulement la sixième fois que Lemieux dispute 5 rondes ou plus depuis le début de sa carrière. T'es dans une bonne position quand t'es là, t'es dans une position avancée, mais tu touches pas du tout. Good fight, Dave. You box well. Tu boxes très bien. Là, je veux que tu restes concentré à défensive aussi. On ne fait pas frapper. Comment, check. Alors, Ramsey, vous l'avez entendu, est satisfait de ce qu'il voit de son protégé. En lui-même temps, lui a rappelé... Box! N'oublie pas ta défensive. Alors, vous avez vu la carte de notre Gabi Mancini national à l'avantage de Lemieux. Il y a quand même 8 points d'avance déjà après seulement 5 rounds. Donc, de toute façon, Torres, sa marque de commerce, c'est le chaos. Donc, si lui, il veut renverser la vapeur, ce ne sera pas au niveau de la carte de pointage. Ce sera avec une... Avec une surprise. Une surprise, tout simplement. Et du côté de Lemieux, ben lui, c'est sûr qu'il aimerait ça mettre un autre KO à sa fiche. Mais de l'autre côté, comme Marc l'a mentionné, il faut qu'il quand même demeure prudent pour éviter qu'une certaine surprise pourrait se produire. Donc, va chercher la victoire, c'est ce qui est le plus important. Continue à placer tes coups de poing, mais sois pas trop non plus ultra confiant ou trop confiant. Ouais. Oh! J'aime la dualité que ça fait, ce combat-là. Belle bataille. À l'avantage du Québécois, certes, mais il y a un gars devant lui qui espère gagner. Uppercut solide de Torres. La garde de droite de Lemieux est pas souvent très haute. Oh, encore une fois au tapis, l'uppercut. Les lumières se ferment, mais pas très rapidement pour Torres, hein?
C'est reparti. C'est clair que le mieux veut le finir. Ah oui. Est-ce qu'il va être capable? Je sens qu'il s'installe devant, là. Bon coup au corps. La Torres se sauve, là. Et le corps. Oh! Il est allé au corps. Et ça, ça fait mal. Ouais, les coups au corps semblent encore beaucoup plus souffrants que les coups à la tête. Un autre compte de 8. Deuxième fois au tapis dans ce même round. 30 secondes. Prochain crochet au corps, c'est terminé. Et gardez le mieux, là. Il a faim. Il a faim. Un prochain crochet au corps comme ça qui marque, là. Non, mais là, Torres a énormément baissé sa garde. Et la foule réclame le coup fatal. 10 secondes. Ça ne sera pas cette fois-ci. Incroyable. Torres qui encaisse tout et qui va aller se reposer une autre minute. C'est incroyable. Torres, on peut pas dire que... C'est un gars qui a du cœur énormément. Puis vraiment, ça... Ça m'impressionne. Ouais, regardez la réaction de Torres, là. Parce que... On va saluer son courage, en tout cas. Parce que de la façon que ça s'enligne là, le mieux a plus l'air de poseur de tapisserie, puis l'autre de la tapisserie. C'est à peu près ça, tu vois, là. C'est le, un peu l'uppercut de la main droite, donc... deux ou trois petits jabs et l'uppercut. Et ça, c'est au corps, tu vois, là. Et ça tombe, hein? C'est les... Vraiment, c'est le souffle. Donc, là, moi, je pense qu'il va l'arrêter au corps, probablement au prochain round avec un gros crochet de la main gauche. Je serais pas surpris de voir Torres plier les genoux que ce soit terminé. C'est reparti. Oh, la droite en partant. Pas de cadeau, hein? Break! No punches! Break it up! Break it up! Break! Stop holding! Aïe, aïe, aïe. Hey, Torres qui tente de sauver du temps en accrochant. Le FC Saint-Germain dit attention au coup de tête. Là, tu vois, au corps, ça fait tellement la différence. Parce qu'il y a tellement les... Il se protège beaucoup le visage, mais souvent... Il est facile à atteindre au corps. C'est incroyable comment c'est venu en caisse quand même. Oh! Et Torres tente d'ennuyer le mieux en l'accrochant et surtout en essayant de sauver sa peau clairement. Cette fois de la gauche. Hey, il a mal. Il grimace. On laisse continuer, mais... Eh oui. Mais on le sent. Regardez, là. Oh, là, de voir. C'est terminé. On devrait arrêter ça immédiatement. Sérieusement, là. Monsieur Saint-Germain, Monsieur Saint-Germain. Terminé, terminé. Protégez le boxeur un peu, là. C'est terminé, oui. J'espère. Là, à un moment donné, le carnage, ça suffit. Victoire de David Lemieux. C'est trop, c'est comme passé, je pense. Oui, que... voilà. Là, on est rendu à 6-7 chutes au tapis, là. Bravo, David Lemieux, mais il était temps que ça finisse. Ah, mais lui, c'est pas de sa faute, lui. Non. Lui, il a fait sa job impeccable. Vraiment, superbe performance de David Lemieux. Il a donné une leçon de boxe à Torres ce soir et vraiment les gens voulaient voir David Lemieux faire des rounds quand même, il en a fait plusieurs, il les a gagnés tous sans exception et combien de fois Torres est allé au plancher plusieurs fois, c'est tellement qu'on ne sait plus combien de fois exactement qu'il est allé au plancher. David, tu prends le temps d'aller saluer le courage et, de son adversaire. Ah, c'est une bonne guerre.
Ah, c'est la première fois que Torres s'incline par KO dans ses 32 combats. Donc, lui qui est actif depuis 2003, eh bien, c'est la première fois qu'il est arrêté avant la limite. C'est ce qu'on appelle un dur à cuire, Mike. Ouais, et ça, c'est au corps, main droite, crochet. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, lorsque le combat s'est terminé, c'était une grosse main droite au menton. Et là, vraiment, regardez, évite avec sa tête le jab de Torres, réplique immédiatement avec la main droite. Donc, vraiment, on parlait de sans faute tout à l'heure pour Ouski. Je pense qu'on peut dire la même chose du côté de Lemieux. Absolument. Torres, bien sûr, lui, est déçu, mais je pense pas qu'il pouvait faire vraiment mieux que ce qu'il a fait ce soir. Il a quand même essayé, mais vraiment, là, il n'était pas du même calibre que David Lemieux. Décision dans quelques instants. Je vous rappelle, on a trois autres combats à vous présenter ce soir. Pour l'instant, la décision. Demande l'arrêt du combat à 1 minute 48 secondes du septième round. Ladies and gentlemen, the end of the fight comes at 1 minute and 48 seconds of the seventh round. As Jose Miguel Torres corner throws in the towel, the winner by TKO, le gagnant par KO technique, David Lemieux. Alors David Lemieux signe une 31e victoire chez les pros.